Voilà, je suis en train de filmer encore. Je n'étais pas là, j'étais au boulot. Le papa de mes enfants, il a tout ramassé dans la maison. Il y avait le frigo dans la cuisine. Même si le congélateur, il a pris le frigo. Il y avait le matelas. Mais vous avez il a pris le matelas. Les bazars qu'il a fait là. Hein? Il y avait un lit des enfants là. Lit de la petite. Il a pris. Il y avait un congélateur qui était là. Il a pris. Il y a, comment dirais-je, une table à manger là. Il a tout pris. Regarde, dis-moi ici. Elle a pris la nourriture. La nourriture, il l'a mis dans un sac à poubelle. Hein? Il a mis la nourriture dans un sac à poubelle. N'importe quoi. C'est malade. Hein? Il a mis tout. Regarde, il a pris la télé. Tout. La télé, tout. La télé, tout. Il a tout ramassé. Un monsieur que j'ai fait 11 ans avec lui. 11 ans. Il est resté chez moi. Il a construit chez lui. Aujourd'hui, il ramasse tout. Il a tout ramassé derrière moi. J'étais au boulot, il a tout ramassé. Il a tout ramassé mes affaires. Il a tout ramassé. La maison est vide. C'est lui. Il a tout ramassé. Voyez la maison. Regardez la maison est vide. Vous voyez? La maison est vide. Je vous montre encore la nourriture. La nourriture dans le sac. Qui était au congélateur. Au congélateur, la nourriture qui était au congélateur. Regarde, la nourriture qui était au frigo, elle a mis là-bas. Voici d'autres aussi. Il a tout enlevé dans le congélateur, dans le frigo. Regarde la nourriture que je mange avec les enfants. Regarde, le frigo, il est vraiment... La nourriture que je mange avec les enfants. Un monsieur, j'ai fait 11 ans avec lui, deux enfants. Mais ses enfants, c'est 6 enfants. Hein? Ce sont ses propres enfants. J'ai fait deux enfants avec lui, il a tout enlevé. J'étais au travail, il a tout enlevé. Un Camerounais, il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il est resté chez moi pendant des années. Pendant des années, en train de m'escroquer. Je l'ai laissé dans la maison. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué, c'est un Camerounais. Il faut le publier parce qu'il est oui. Un connard. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui me fait ça, qui vide ma maison. Il dit qu'il est garçon, il a vidé ma maison, il a pris le frigo. Le frigo, j'ai mis la nourriture dedans, il a mangé jusqu'à aujourd'hui. Il a tout vidé dans ma maison. Regarde le ketchup des enfants, il a tout. Oui, il a tout enlevé dans ma maison. Tout. Combien d'années j'ai fait avec ce monsieur. Voilà aujourd'hui, comment il m'a remercié. Un Camerounais, il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il vient de Douala. C'est lui qui m'a fait ça. Tant d'années. C'est lui qui m'a fait ça. J'avais les assiettes. Dans ce truc-là. Il a tout enlevé. Tout. Il a tout enlevé. Regardez les assiettes. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Oui. Il a tout enlevé. Vous voyez? Il a pris le placard, il est parti avec. Il est parti avec le placard. Il a tout enlevé. Voilà, je suis en train de filmer encore. Je n'étais pas là, j'étais au boulot. Le papa de mes enfants, il a tout ramassé dans la maison. Il y avait le frigo dans la cuisine. Même si le congélateur, il a pris le frigo. Il y avait le matelas. Mais vous avez il a pris le matelas. Les bazar qu'il a fait là, hein? Il y avait un lit des enfants là, lit de la petite, il a pris. Il y avait un congélateur qui était là, il a pris. Il y a, comment dirais-je, une table à manger là, il a tout pris. Regarde, dis-moi ici, elle a pris la nourriture. La nourriture, il l'a mis dans un sac à poubelle. Hein? Il a mis la nourriture dans un sac à poubelle. N'importe quoi. C'est malade. Hein? Il a mis tout. Regarde, il a pris la télé. Tout. La télé, tout. La télé, tout. Il a tout ramassé. Un monsieur que j'ai fait 11 ans avec lui. 11 ans. Il est resté chez moi. Il a construit chez lui. Aujourd'hui, il ramasse tout. Il a tout ramassé derrière moi. J'étais au boulot, il a tout ramassé.
Il a tout ramassé mes affaires. Il a tout ramassé. La maison est vide. Mais ça, il a laissé pour toi. C'est toi, ça. C'est lui. Il a tout ramassé. Voyez la maison. Regardez la maison. La maison est vide. Vous voyez? La maison est vide. Je vous montre encore la nourriture. La nourriture dans le sac. Qui était, qui était au congélateur. Au congélateur, la nourriture qui était au congélateur. Regarde, la nourriture qui était au frigo, elle a mis là-bas. Voici d'autres aussi. Il a tout enlevé dans, le congélateur, dans le frigo. Regarde la nourriture que je mange avec les enfants. Regarde, le frit, il est vraiment... La nourriture que je mange avec les enfants. Hey, monsieur, j'ai fait 11 ans avec lui, 2 enfants. Mais ses enfants, c'est 6 enfants. Hein? Ce sont ses propres enfants. J'ai fait 2 enfants avec lui, il a tout enlevé. J'étais au travail, il a tout enlevé. Un Camerounais, il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il est resté chez moi pendant des années. Pendant des années, en train de m'escroquer. Je l'ai laissé dans la maison. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué, c'est un Camerounais. Il faut le publier parce qu'il est un connard. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui me fait ça, qui vide ma maison. Il dit qu'il est garçon, il a vidé ma maison, il a pris le frigo. Le frigo, j'ai mis la nourriture dedans, il a mangé jusqu'à aujourd'hui. Il a tout vidé dans ma maison. Regarde le ketchup des enfants, il a tout... Oui, il a tout enlevé dans ma maison. Tout. Combien d'années j'ai fait avec ce monsieur. Voilà aujourd'hui, comment il m'a remercié. Un Camerounais, il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il vient de Douala. C'est lui qui m'a fait ça. Tant d'années. C'est lui qui m'a fait ça. J'avais les assiettes dans ce truc-là. Il a tout enlevé. Tout. Il a tout enlevé. Regardez les assiettes. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Oui. Il a tout enlevé. Vous voyez? Il a pris le placard, il est parti avec. Il est parti avec le placard. Il a tout enlevé.